Madame Miller, faut faire dans un tout petit pot. Pourquoi je ferais dans un petit pot puisque vous croyez que je deviens gaga? L'explication ne vient pas de la tête, ma chère, elle vient du bas. Ainsi, tout se termine au fond du pot. Du sommet de votre tête jusqu'à vos stilettos. On voit ce qui ne va pas dans vos boyaux par le caca dans le pot. Toc ! Quelques traces d'hémorroïdes ou un début de cancer. Votre chasse d'eau les entraînera dans le flux sanitaire. Qu'importe si c'est mou ou si c'est solide ou gros et long, on saura ce qui ne va pas chez vous en regardant votre étron. Ouais! Tout se termine au fond du pot. Tout se termine au fond du pot. Le système cardiovasculaire lymphatique de bas en haut. Et toute notre nation croit en la défécation. Tout se termine au fond du pot. Pour éviter que ça ballonne, au lieu de jouer les idiots, on mange des prunes avec des pommes et tombe le cigare dans les lavabos. J'ai mal au ventre. Regarde dans le pot. Je me suis foulé le gros orteil. Regarde dans le pot. Un coup de revolver. Regarde dans le pot. Une folle m'a jeté plein de caca dans l'œil. Regarde dans le pot. Le mien ou le sien? Le sien puis le tien. C'est plutôt l'est. On le confesse. Mais on voudrait voir ce qui sort de vos fesses. Puisque tout se termine au fond du pot. Que ce soit une tumeur ou un rhume de cerveau. Faut qu'on démoule un indice bien costaud. Notre premier test, c'est votre popo. En cas